chaque lettre aura sa vidéo dédiée. Sans plus attendre, je vais vous parler un petit peu peut-être de la première lettre, le Aleph. Avant de vous parler du Aleph, c'est important de vous dire quand même, regardez sur cette image, qu'il y a 22 lettres en hébreu, donc on va avoir au minimum 22 vidéos qui vont se succéder, mais nous avons 27 signes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lettres que vous voyez sur cet alphabet, déjà, sont que des consonnes. En hébreu, il n'y a que des consonnes. Les voyelles sont des signes qui ont été rajoutés beaucoup plus tard dans l'histoire de la langue. C'est des petits traits, des petits signes qui vont s'apposer en haut, en bas, sur le côté, des lettres, des consonnes que vous voyez. Et puis, pourquoi j'ai dit 27 signes et pas 27 lettres? Il y a des lettres qui sont doublées du fait qu'elles n'ont pas la même graphie selon qu'elles sont au milieu d'un mot ou à la fin. Donc ici, là, on a des doubles. Ici, ces lettres que j'ai entourées, il faudra connaître leur graphie au début, milieu de mot, et leur graphie à la fin. Vous voulez suivre notre formation en ligne à Cours d'Hébreu le Club? Alors rendez-vous sur acoursdhebreu.fr et apprenez l'hébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien, et merci à notre partenaire Beivrit.